Jésus est né dans le désert, tout le monde le sait. Aucun sapin en vue pour célébrer sa naissance, car en fait, l'idée du sapin de Noël est alsacienne. Elle est venue bien plus tard, au 8e siècle, plus de 700 ans après la naissance du Christ. C'est la venue de Charlemagne dans un petit village alsacien, à Célestat, qui a donné envie à ses habitants de décorer les arbres avec des pommes. Ce jour-là, le sapin de Noël est né. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Le sapin s'est enguirlandé, éclairé, pour devenir celui que l'on connaît aujourd'hui. Noël s'est entouré de symboles et d'un père légendaire chargé de distribuer des cadeaux aux enfants. C'est un cadeau, c'est la naissance de Jésus et c'est tout. Bah, quand ce soit plein de cadeaux. C'est tout ? Ouais. Est-ce que tu peux me dire pour toi ce que c'est un sapin de Noël ? C'est joli. Pourquoi c'est joli ? Parce qu'on a des morceaux qui l'ont. Parce qu'il y a les lumières qui brillent et c'est joli. Religieusement, le sapin de Noël n'a aucun lien direct avec la naissance du Fils de Dieu. Il n'est là en fait que pour accompagner l'événement. D'ailleurs, certaines religions, comme la religion musulmane ou encore les témoins de Jéhovah, n'utilisent aucun arbre et ne fêtent pas Noël du tout. Le sapin, les cadeaux et la bûche, que l'on brûlait dans le temps pour faire des vœux à partir de ses cendres, ne sont plus désormais que des repères. Leur présence signifie que c'est Noël et que le moment est venu de fêter l'anniversaire de Jésus. Le sapin est devenu lui aussi une décoration, commerciale, mais il est et restera toujours une invention magique, à l'image du Christ. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.